par contre. Là, voilà. Là, on va pouvoir monter dessus. Boule de feu. Bon, maintenant, faut trouver un Drake. Cet artefact, un fragment de pierre de lune, a été notre dernière acquisition avant l'arrivée des orques. Un éclaireur l'a découverte, encore fumant dans les champs où elle était tombée depuis la lune. Je suis loin d'être superstitieuse, mais il m'arrive de me demander si cette pierre de lune était un mauvais présage nous annonçant la catastrophe qui allait suivre. Là, un mauvais présage tombe des cieux. L'inertie était condamnée bien avant que cette pierre ne tombe sur terre. Il y a quelqu'un. Monte sur le mur, voilà. Coucou, je panier, le chat. Voilà. Alors. Ah, je suis tombée. Allô? On se réveille? Putain, ça descend partout. Ah! Voilà là. Oh, je crois que je l'ai énervé. Ah, mais what? Ah, oh, putain. Ouah. Ouah. Mais c'est toi qui as mordu la poussière là. Moi je vis encore, mais toi t'es cuit.
Les soldats qui vous tuent sont promus capitaine et ajoutés au menu armé. Pour vous venger d'un capitaine qui vous a tué, trahi ou humilié, accomplissez une mission de vendetta contre lui. Les orques tués lors des missions de vendetta rapportent de l'équipement de qualité supérieure. Comme les missions d'ennemis jurés, les missions de vendetta ont une durée limitée. Quand la barre de temps est vide, la mission de vendetta disparaît avec l'équipement que vous auriez pu obtenir. Bon, on va les venger, hein. Pas de mort pour Talion. Quand vous faites tuer, le temps passe et vous ressuscitez au point de déplacement rapide le plus proche. Les missions d'ennemis jurés sont résolues et les capitaines victorieux montent en niveau. De nouvelles missions d'ennemis jurés commencent alors et les places libres dans le menu armé sont comblées. Les missions d'ennemis jurés ont une durée limitée, sans la dieu. J'ai l'impression d'avoir combattu 100 ans. J'espère que je ne saurai jamais ce que ça fait de combattre 1000 ans. T'es ridicule avec ton casque. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Bah j'ai tué mon propre Caragor, voilà. Voilà. Ah bah décidément. Ah, allez. Yeah.
Ouais. J'aime pas quand il s'adapte. Voilà. Bon, il faut un... n'importe lequel que je reprenne ma vie. Oh, là-bas. Allô? Je peux le menacer. Alors lui, il est avec lui. Lui, il est mort. Funérailles d'exécution, nourriture pour bêtes. Peur des araignées. Ok. Voilà. J'ai de la vie. Thank you.
Il est là. Je connais pas ses faiblesses à lui. Voilà. Alors, inventaire, qu'est-ce qu'on a de neuf? 210, 220, 220. C'est quoi ça? Marteau de bataille. Il fait moins mal. Alors, un capitaine ennemi se prépare à attaquer le camp d'un autre capitaine. On va les laisser se foutre sur la gueule. C'est quoi ça? Vendetta en ligne. Ici. Non. Ah, il faut retourner là.
L'arène. L'ennemi s'est rassemblé à l'arène et le roi sorcier lance un défi à l'immortel. Les orques sont innombrables à présent. Ils se préparent à notre assaut. Personne n'a vu ton père après la bataille. Mes hommes sont à sa recherche. Mais quel est donc ce maléfice? Le roi sorcier en personne vient négocier. Que mon père est peut-être déjà mort. Il nous provoque. Il ne faut pas les... Les ours aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons les filer dans leur camp pour trouver mon père. Puis-je compter sur vous. Le spectacle sera inoubliable. Tâchez de ne pas tuer trop vite. Ça dépend. Ah non, c'était pas la bonne touche. Olé. Thank you.
Et voilà. C'était bien. Un peu trop. Il a besoin de temps. Faut acheter des pirouettes. Oui, c'est une façon de parler. Provoquer la foule. Je suis venu jusqu'à cette arène pour combattre le champion de Sauron. Il est dégueu, lui. Mais non, mais... Oula. Oh.
Tous les trous de tous les rois de cette ville vont entendre le supplier de t'épargner. Même les cris des orques du Mordor n'étouffent pas ta voix. Ah! Celui-là, c'est un légendaire, celui-là. Oula. Voilà, là, là. Je vois pas où je vais. Hop. Ouais, il est pas mort. Ah, attendez, on va déverrouiller une aptitude. Alors, puissance secrète, on restreint inaperçu, non. Gagner puissance à chaque fois que vous subissez des dégâts au combat. Ça, ça pourrait être intéressant. Contre-parfait. Mettre les ennemis à terre. Voilà. En terre. 220, 226. Hop.
Voilà, c'est ça. Ah putain, il craque pas les flèches, je suis con. Oh putain. Eh oh, je suis là. Eh oh, les mecs, je suis là. Oh putain. Oh le... Voilà. Voilà. Alors comment je vais la voir, lui? J'ai plus de flèches. Oh là là. Mais... Poussez-vous. Ça va être compliqué là, il est vigilant, il... Les flèches, c'est pas possible. Bah, attends, il reste les caragors là. J'ai une idée. Faut pas péter les. Ah bah si. On bute le caragor là. Voilà. Oh, mais si vous vous y mettez, vous aussi, ça va pas le faire. Voilà. Allez, cassez-vous.
Voilà. Ok, mon Caragor est mort. Bah. Allez, ça saccage. Ah, c'est pour plus difficile là. Il veut pas se laisser faire celui-là. Mais tu vas te laisser faire, saloperie, oui? Pas possible ça, hein? Ah, faut pas rester là. Allez, 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 allez.
Ajá. Bon, Saint Caragor, ça va être compliqué. Bon, lui, il est là. Quel moyen on a pour lui? Ouais, ça attire que dalle. Coucou, je suis là. Voilà. Quoi? Oh là là, il est invincible ce mec. Bon, il va falloir frapper, hein. Étourdir les sauvages. Ouah, putain. Oh putain. Oh putain. Où est le truc? Ah putain. Crois-tu que c'est le bandit qui sauvera cette ville? Va essayer. J'ai pas vu Laurent, je sais pas où il était. J'espère qu'on recommence pas tout depuis le début parce que... Chacun le corbeau s'est enfui. Ah bah non, il est revenu. Bon après, je vais pas y passer la nuit. Alors, saisis ou chevauchez
trop près. Bon, on peut l'attraper. Attaque de Karagor. Exécution. Explosion. Dégâts par bête. On va essayer de l'approcher. Allez, réveille-toi, machin, là. Wow. Abrège. Abrège. On s'en fout de ce que tu dis. Ah. Ah bah tu tombes bien toi. Voilà. Allez. Il faut des flèches, Voilà.
Non mais lui là, le gros au milieu. Ah. Voilà. Allez, on y est presque. Ah putain. Allez. J'avais pourtant dit à ces crétins d'envoyer quelqu'un d'autre. Et voilà. La deuxième fois aura été la bonne. Trouvez ma promesse et donnez-lui son message. Je lui ferai la foi.